stuck in my town. Get up or stay down. Trouble soon come around. This is the playground. Grinding for them pounds. Hope it don't come. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Manchester, nous sommes à l'Etihad Stadium. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la Poule Guita, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. C'est un match absolument passionnant qui s'annonce. Manchester City face au Barça. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu. C'est cette attente qui nous chatouille. Jetons un œil sur la compo de Manchester City. Titulaire dans le but, Ederson. Ruben Dias avec Aymeric Laporte en défense centrale. Kevin De Bruyne sera accompagné de Rodri au milieu. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Voici la compo du FC Barcelone. Dans le but, c'est Ter Stegen. Pedri sera épaulé par Frankie de Jong au milieu de terrain. Et enfin devant, Robert Lewandowski. Sur le côté, c'est De Bruyne, il peut avancer. Attention Kevin De Bruyne. Qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier but. Quelques minutes de jeu. C'est bon et c'est bon. C'est reparti dans cette rencontre. Les Barcelonais sont menés d'un but. Le ballon vers Riyad Mahrez. Le centre de Mahrez. Eh oui, la défense est bien placée. Et donc ce centre n'aboutit à rien. Dembélé. Ah, et la belle technique pour passer l'adversaire. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Ah, le ballon est mal donné et c'est perdu. Oui, il y a faute et un coup franc pour le Barça. Bon, pas de carton pour l'instant. Un avertissement verbal. Il a décidé de commencer par la pédagogie. Et c'est très bien comme ça. C'est dedans, la réponse est vite venue. Quel scénario incroyable. À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Attention à cette bonne passe. Oh, attention à ce ballon. Oui, très bon réflexe sur ce ballon piqué. Il a bien lu l'intention, il ne s'est pas fait surprendre. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Busquets. Le ballon pour Frankie de Jong. Et encore, Frankie de Jong. Ah, Pedri, il est bien placé. Ouais, c'est un ballon pour les gants du gardien. Le ballon pour Lewandowski. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et une passe lobée pour créer le danger. Et ça chauffe encore. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Ah, le corner bien tiré. Bon passeau avec cette reprise exceptionnelle et ce ciseau somptueux. La reprise de cette rencontre, Barcelone est menée au score. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. Faute, mais l'arbitre laisse l'avantage à Barcelone. Attention à cette passe. Allez, il faut aller fixer maintenant. Et voilà la réponse, l'égalisation. Quel match fou! Ah, le jeu reprend, le score est de parité. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Koundé s'interpose et récupère. Lewandowski. Un bon contre à jouer peut-être. Pedri avec la balle. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Qu'est-ce qu'il va tenter là, Phil Foden? Ah, dans les tribunes, on attend un tir. Bien défendu, mais le ballon revient. Ah, super geste défensif, sans commettre de faute.
Grosse bronca dans les tribunes et le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé. Ouais, non, c'est perdu par Foden. Ansu Fati. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et le ballon change de camp. Coup franc là pour le Barça. Le coup de sifflet de l'arbitre. Et ça passe par Lewandowski. Ballon pour Ousmane Dembélé. Le corner pour le Barça. Et pourquoi pas l'occasion là de prendre l'avantage. Ballon perdu, c'est rendu même. Frankie de Jong avec le ballon. Et la tentative de l'aube. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Le ballon pour Frankie de Jong. Le ballon récupéré sans commettre de faute. C'est un ballon de contre à jouer. Le ballon pour Jack Grealish. Ousmane Dembélé. Et c'est pour Frankie de Jong. Le ballon dangereux de Pedri. Et c'est dedans. Le but pour le doublé magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. 3-2, donc, au tableau d'affichage. Rodri. Ça joue sur Emeric Laporte. Foden. Bien défendu. C'est bientôt le retour au vestiaire et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour l'équipe visiteuse. C'est un match assez inspirant, avec des séquences de qualité. Attention à ne pas gâcher son bon travail. Il ne faut pas se faire remonter son but d'avance juste avant la mi-temps. Ça serait dommage. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain. Et ce ballon pour Kyle Walker. Allons de la frappe. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur. Busquets. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Ouais, il est affûté, Robert Lewandowski aujourd'hui. Super, mais super première période. Déjà deux buts en plus pour ses stats personnelles. Il est lié avec le danger. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec City qui a ce but de retard. Et ça passe par Lewandowski. Ballon récupéré en pleine sur. Bien placé là, Frankie de Jong. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Grealish. Rodri reçoit le ballon. Le tir peut-être pour égaliser. Ah, le ballon est capté sans aucun souci. Pedri. Ansu Fati reçoit le ballon.
Bonne intervention. Le ballon est gagné. Le ballon vers Riyad Mahrez. Oh, attention à ce ballon. Oh, l'intervention. Erling Haaland. Et le ballon est finalement intercepté. Haaland qui reçoit le ballon. Erling Haaland, il peut frapper. Et Ter Stegen qui se détend très bien. Pour le public, ce corner, c'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ansu Fati vers l'intérieur. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Et Riyad Mahrez avec le ballon. Et maintenant Haaland. Tir contré sans difficulté. Ansu Fati. Le ballon sort, c'est une touche. Lewandowski. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Et ce ballon est dégagé, et heureusement, parce qu'il y avait le feu. Ouais, c'est propre, sans faute. Ah non, ce ballon est perdu. Pedri. Ah, ce ballon est récupéré. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, c'est intercepté, la perte de balle de City. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Le ballon sur Lewandowski. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Et changement pour City avec deux joueurs qui vont être remplacés. Excellente intervention. Ballon repris à l'adversaire. Grealish. Ah, il y a des possibilités pour Grealish. Oui, le tir. Attention à ce ballon qui traîne. Poteau, ce n'est pas fini. Et le gardien peut enfin s'emparer du ballon après cette séquence un peu bizarre. Oui, le poteau renvoie, le jeu continue. Finalement, le gardien qui s'empare tranquillement du ballon. Ballon pour retrouver la possession. Gundogan. Ah, c'est pour Haaland. La faute, mais ça joue. Avantage pour City. L'arbitre qui décide de revenir à la faute.
Et le Barça s'apprête à faire un changement. Et Riyad Mahrez avec le ballon. Elle passe en profondeur, attention. Et bien fait, attention à l'occasion. C'est contré. Et vu le peu de temps restant, un but sur ce corner, c'est la victoire quasi assurée. Ansu Fati reçoit le ballon. Attention, il y a danger là. Et le danger est éloigné. Gundogan. 5 minutes à jouer encore dans ce match. Et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Le ballon donné dans le dos. Oh, le pénalty. L'arbitre qui indique le point de pénalty. C'est l'occasion d'égaliser dans cette fin de match. Quel exploit du gardien sur ce pénalty. Ah, le temps passe et ce corner, c'est peut-être une occasion de but. C'est bien parti pour ce corner. Oh, la parade décisive, incroyable. Tout le monde avait cru à la égalisation. Aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. Et c'est pour Phil Foden. Et il remporte son duel, bien défendu. Foden, le danger peut-être avec ce bon ballon. Oui, bonne intervention. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Et une occasion de contre à négocier. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. L'égalisation est encore possible, il faut évidemment y croire sur cette dernière action. La victoire du Barça, le coup de sifflet final donc dans cette rencontre, les Catalans s'imposent. Et oui, match très équilibré, mais finalement elle l'emporte. Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi pour vous faire vibrer pendant ce match le duo da Fonseca da Silva, la team Dada au grand complet. Au programme, ce premier match de la saison, Barcelone face au Real Madrid. Après la saison un peu tiède qu'on a passée, j'espère qu'on va connaître un peu plus d'émotion.
compte tenu de l'effectif de ce qu'on a vu sur certaines faces la saison dernière, ils sont capables de nous emballer. Les joueurs qui débutent pour le Barça dans le but, c'est Ter Stegen, Frankie de Jong sera associé à Busquets au milieu de terrain, et enfin devant c'est Robert Lewandowski. Côté Real Madrid, voici le 11 qui débute, titulaire dans le but, c'est Thibaut Courtois, David Alaba, avec Antonio Rüdiger en défense centrale, Luka Modric sera accompagné de Toni Kroos au milieu. Oh, l'occasion de but, attention! Wow, paradoxe de Ter Stegen! C'est dangereux, mais finalement, c'est en corner. Pas vraiment de danger là, sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Oui, c'est contré, bonne défense. Dembélé dépossédé du ballon. Et ça joue sur Vinicius. Oh, Ter Stegen ! Quelle intervention ! Elle n'arrive pas, cette passe de Frankie de Jong. Pedri. Ballon qui est sorti, la remise en jeu pour le Real. Et Benzema avance, balle au pied. Long ballon aérien, la défense se soulage. Pedri. La passe vers Lewandowski. Ouais, voilà, c'est très bien construit tout ça. Faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au Real. Ouais, bonne agressivité à la récupération. Ah, que va faire Lewandowski avec ce ballon? Et oui, là, le drapeau s'est levé, une position de hors-jeu signalée. Mauvais positionnement, trop statique par rapport à la défense. C'est une faute d'inattention. Ah, la faute est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé. Attention. Fede Valverde avec le ballon. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé reçoit le ballon. Le ballon pour Frankie de Jong. Ouais, c'est propre, sans faute. Frankie de Jong. Ouais, c'est un pressing efficace. Vinicius la frappe. C'est contré sans problème. Busquets. Le ballon pour Lewandowski. Et ça repasse par Busquets. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Et ça joue sur Vinicius. Lewandowski. Oui, dans la profondeur. Le ballon pour Lewandowski. Lewandowski. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et cette action s'arrête là. La balle était complice de Montor. C'était l'occasion de s'imposer, de prendre les devants. Modric. Et ça joue vers Modric. Oh, la faute, une nouvelle faute de sa part. Attention là, que va dire l'arbitre? Opportunité pour marquer. Wow, paradoxe de Ter Stegen. Le corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Et le tir. Ouais, bonne intervention du gardien. Et c'est un nouveau corner à tirer. Bon passeau avec cette reprise exceptionnelle et ce ciseau somptueux.
On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. 1-0 donc au tableau d'affichage. Sergio Busquets avec ce ballon. Lewandowski, et très bonne intervention du gardien. Match compliqué pour les supporters. Première incursion depuis un moment. Ce corner, c'est même peut-être l'occasion d'égaliser. Jordi Alba. Ballon pour Jules Koundé. Et le ballon vers Busquets. Ballon sur Frankie de Jong. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Lewandowski, balle au pied. Ah non, finalement le ballon est perdu. Rodrigo avec le ballon. Au second poteau, voilà le centre. Le gardien relâche dans la zone dangereuse. Ah, le danger est écarté. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Lewandowski. Le ballon pour Frankie de Jong. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. C'est le début de la deuxième mi-temps avec le Barça qui est mené d'un but. Et il remporte son duel, bien défendu. Rodrigo. Frankie de Jong avec le ballon. Interception en pleine surface de réparation. Vinicius, ah, le contre est possible. Ah, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Oh, la faute en pleine surface de réparation, c'est donc un pénalty. Et c'est dedans, le pénalty est réussi. Ouais, deuxième but contre cette équipe, ça fait 2-0. Là, il se défait à l'adversaire direct. Attention, Robert Lewandowski. Ouais, bonne intervention là. Pas assez de concentration sur cette passe. Et ça passe par Lewandowski. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Et une occasion de contre à négocier. Ansu Fati reçoit le ballon. Perte de balle très dangereuse, attention. La contre-attaque était vraiment très belle. La finition par contre approximative. La transition vers l'attaque est très bien menée. Mais c'est dans le dernier geste qui s'appelle. Ah, bonne protection du ballon avec son corps. Frankie de Jong. Oh, bien joué la passe de Lewandowski. Et voilà, oui, la preuve qu'ils y croient encore. Plus qu'un but pour égaliser. C'est reparti dans ce match, le Barça qui n'a plus qu'un but de retard. Tout est encore possible pour revenir. Et la passe dans le dos de la défense. C'était prometteur, mais la défense est attentive. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Et le contre est possible maintenant. Et la défense peine à revenir.
C'est un bon ballon ça. Et le ballon piqué. Ouais, bien joué. Bonne sortie du gardien. C'est bien anticipé de sa part. Très bonne sortie et surtout un excellent timing sur cette intervention. Robert Lewandowski. Et la perte de balle de Robert Lewandowski. Et ça joue vers Modric. Sans doute Benzema pour reprendre. Et quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Fernand Mendy à la réception. Il y a du monde au second poteau. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. La passe mal assurée du gardien s'est rendue. Jordi Alba. Robert Lewandowski. La passe vers Lewandowski. Ousmane Dembélé sur le côté, il a de l'espace. Ousmane Dembélé avec le ballon. Et Ansu Fati avec ce ballon. Et le gardien s'emploie comme il faut. C'est bien frappé par Dembélé. Ousmane Dembélé avec le ballon. Dembélé pour centrer. Et le ballon vers Busquets. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. La possession qui ne penche pas trop du côté de Real Madrid. Mais la possession, ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans avoir le ballon, le score est à leur avantage. Grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle au pied. Grosse présence au contact. Attention pour égaliser. Et peut-être un bon contre à négocier là. Et la contre-attaque fait mal à la défense. Karim Benzema. Et oui, but. Le but du doublé. Quelle performance. Avec l'instinct du buteur. La finition diabolique. C'est ça la signature d'un super joueur. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Ouais, la vista avec cette passe. Et le ballon est finalement intercepté. De Jong. Ouais, c'est récupéré très haut ça. Ousmane Dembélé avec le ballon. Le ballon pour Vinicius. Ça sort, la touche est pour le Real Madrid. Et oui, le tir. Et voilà, la note qui s'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à plus 3. On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à... Quero mais tanto só.
danada, zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que buia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Manchester, nous sommes à l'Etihad Stadium pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. Ça va être un plaisir de vivre ce match important, Manchester City face au Barça. Pas évident de démarrer une saison sur une défaite. Le meilleur moyen d'effacer ce mauvais souvenir, c'est de gagner. Le bonheur entraîne à la joie. Busquets. Bien défendu ça. Jetons un œil sur la compo de Manchester City. Dans le but, c'est Ederson. Aymeric Laporte avec Ruben Dias en défense centrale. Kevin De Bruyne sera accompagné de Rodri au milieu. Et enfin Erling Haaland seul devant. Les joueurs qui débutent pour le Barça. Dans le but, c'est Ter Stegen. Frankie de Jong sera associé à Busquets au milieu de terrain. Et enfin devant Robert Lewandowski. C'est intercepté, City perd le ballon. Et ça passe par Lewandowski. À nouveau pour Ousmane Dembélé. Trajectoire bien coupée en pleine surface. Haaland qui reçoit le ballon. Attention, la frappe peut-être. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Araujo. La balle pour Busquets. Ah non, la Pedri qui perd le ballon. Avec Kevin De Bruyne. De Bruyne le tire. C'est contré sans problème. Attention à cette passe. Très bonne couverture de balle. Ouais, super effort pour récupérer le ballon. Pedri avec la balle. Ah, Pedri, il a vu son partenaire. Ousmane Dembélé avec le ballon. Oh non, il est complètement raté ce centre. Sur le côté, c'est De Bruyne, il peut avancer. Ousmane Dembélé. Ah, il en faut plus pour surprendre le gardien à cette distance. Jouant Cancelo. Attention au pressing. Et non, De Bruyne là qui perd le ballon. Ah, que va faire Lewandowski avec ce ballon? Frankie de Jong avec le ballon. Opportunité pour marquer. Goal, 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 goal. Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Oui, il y a faute et un coup franc pour le Barça. Ça joue avec Pedri.
Ah, il y a une faute. L'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Le ballon pour Lewandowski. Voilà, oh là là là, et à peine le temps de se remettre. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. Et oui, le but, il arrive parce qu'au départ, il y a ce décalage qui est très bien masqué et qui rend possible cette action. C'est vrai, on en voit de plus en plus des combinaisons sur les terrains. Ce n'est pas étonnant. Ah, le ballon intéressant. Et oui, voilà ce but. C'est la preuve que tout n'est pas fini. C'est la preuve que tout est encore possible. Ah, le match reprend et après ce but marqué, City n'est plus qu'à un but de son adversaire. De Jong. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Joue en Cancelo. De Bruyne reçoit le ballon. Le ballon sort en touche. Haaland qui reçoit le ballon. Danger là avec Erling Haaland. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. La parade n'est pas seulement esthétique, elle permet de maintenir l'avantage d'un petit but. Revenez au jeu, regardez. Et oui, le plongeon d'Ederson. Araujo reçoit la balle. Le ballon sur Lewandowski. Très bien défendu, sans commettre de faute. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Le ballon pour Jack Grealish. Attention pour égaliser. Oh, la bonne parade. C'est joué par Foden. Un ballon directement sur le gardien. Mal exploité ce corner. Les chiffres disent que le Barça n'a pas le contrôle du ballon, mais la possession, ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans avoir le ballon, le score est à leur avantage, grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle-pied. Ouais, le bon tacle, c'est bien défendu. Manchester City avec le ballon pour tenter quelque chose. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Péno, c'est un pénalty accordé et peut-être l'occasion de se relancer dans ce match. Et dans les règles de l'art, très bien tiré ce pénalty. Le but d'égalisation juste avant les vestiaires, c'est le but auquel tu... Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales, ça donne presque envie d'aller mettre les crampons pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, nous sommes prêts ici à vivre cette rencontre palpitante à vos côtés et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre et moi qui suis toujours optimiste, je suis certain qu'on verra des très belles choses dans ce match.
Voici la compo du FC Barcelone. Dans le but, c'est Ter Stegen. Pedri sera épaulé par Frankie de Jong au milieu de terrain. Et enfin, devant, c'est Robert Lewandowski. Ballon pour Marcus Rashford. Rashford, et très bonne intervention du gardien. Côté Manchester United, voici le 11 qui débute. De Gea qu'on retrouve dans le but. Raphaël Varane avec Lisandro Martinez en défense centrale. Casemiro sera accompagné de Bruno Fernandes au milieu. Et devant, on retrouve CR7. Très bon arrêt du gardien. On va en profiter pour parler un petit peu de Robert Lewandowski, évidemment. Grand joueur et grand buteur. Tu lui donnes le ballon. Et oui, ça c'est de l'action. Ouais, dommage, ça partait bien, mais le ballon est finalement récupéré. Rashford avec ce ballon. C'était plutôt une bonne idée de vouloir placer le ballon, mais finalement, c'est manqué. Il y avait de l'idée dans cette action, mais le geste mal exécuté. Dommage. Frankie de Jong. Lewandowski. Le ballon pour Lewandowski. Et encore, Frankie de Jong. Lewandowski. Et le gardien qui écarte bien le danger. Très bon arrêt. Il a utilisé l'extincteur. Il avait le feu. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Christian Eriksen reçoit le ballon. Ah, c'est capté sans aucune difficulté pour Ter Stegen. Jules Koundé. Frankie de Jong avec le ballon. La récupération de Diogo Dalot. Duchamp là sur le côté pour Manchester. C'est vers Rashford. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Et ça finit par rentrer malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. C'est reparti dans cette rencontre. Les Barcelonais sont menés d'un but. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Bruno Fernandes. Varane. Le ballon pour Casemiro. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. C'est vers Rashford. Et le ballon change de propriétaire. Busquets. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Et attention à cette frappe. Un peu trop sur le gardien qui s'en saisit sans problème. Frankie de Jong. En direction de Dembélé. De Jong. Ça joue avec Pedri. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Anthony, le ballon pour Cristiano Ronaldo. Et oui, la passe en profondeur de Ronaldo. Et non, l'action ne va pas continuer là, hors-jeu signalé. La coordination était presque parfaite. C'était vraiment très intéressant comme mouvement. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Pedri. Et ça joue avec Robert Lewandowski. Oh, bien joué la passe de Lewandowski. Eh non, c'est finalement intercepté ce ballon. Oh, il peut frapper Ronaldo. Et c'est le but. Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé.
Lewandowski. Et ce ballon est finalement intercepté. Et Cristiano qui mène cette attaque. Lewandowski. Et c'est pour Frankie de Jong. Busquets. Pedri. Busquets. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première. C'est reparti ici avec Manchester United qui a clairement creusé l'écart. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Et oui, l'arbitre intervient, c'est un coup franc pour United. Oui, la bonne intervention, touche. Cristiano Ronaldo. Intercepté là et ballon perdu par Manchester United. Oh, le tacle pas bien maîtrisé, évidemment il y a faute là-dessus. Anthony, allez, bien joué, il efface son adversaire. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Il frappe, elle frappe contrée sans souci. Le centre sur Rashford. Ah, et la bonne intervention pour soulager son équipe. Ah, pressing réussi, pressing payant. Ah, et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Ah, et position de hors-jeu signalée, il y a un peu de précipitation dans la passe. Et c'est pas grand-chose, une, deux secondes trop tôt. Là, c'est intercepté, la perte de balle du Barça. Ousmane Dembélé qui progresse. Le centre au second poteau. Et oui, c'est le but. C'est au fond. Cette réalisation pour continuer à y croire et pour vivre encore dans ce match. La partie qui reprend. Le Barça n'a maintenant plus qu'un petit but de retard. Et Anthony reçoit la balle. Oh oui, la frappe. Oh, paradoxe de Ter Stegen. Intercepté, le Barça qui perd le ballon. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Superbe intervention dans la surface. Eriksen. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Attention à cette passe. Ouais, un bon travail de la défense, c'est contré. La balle est interceptée. Le tir de Bruno Fernandes. Mais comment leur en vouloir là-dessus, parce que ce contre était parfaitement négocié. Il ne manque plus qu'un peu de réussite. Jules Koundé. Frankie de Jong. Busquets. L'interception et le Barça qui rend le ballon. Anthony. Le ballon pour Eriksen. Et c'est une frappe. Et Ter Stegen qui va chercher ce ballon. Un corner qui est bien ajusté. Et le gardien capte le ballon sur ce corner pas évident à négocier. Araujo. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Jordi Alba. Et ça repasse sur Jordi Alba. Lewandowski à deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action.
Ansu Fati reçoit le ballon. Le ballon vers la surface de réparation. Allez, c'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. C'est un ballon de contre à jouer. Le ballon pour Anthony. Elle la frappe, attention. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Jordi Alba. Robert Lewandowski. Jordi Alba reçoit le ballon. Lewandowski. Allez, construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Lewandowski et Derea qui va aller chercher ce ballon. Pour le public, ce corner, c'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Christensen. Sergio Busquets avec ce ballon. Mais le public avait une frappe. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Cristiano Ronaldo. Oh, le ballon qui est perdu. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Ousmane Dembélé. Goal, 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 goal. Dans les dernières minutes, le match semblait plié. Eh bien non, égalisation. Quel scénario. Le ballon qui revient, et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté et déclenche la foule. Et c'est bon. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2-1. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. De Jong, l'équipe part à l'attaque avec évidemment la grosse envie de marquer ce but décisif. Et si l'occasion pour mener. Et quel bon arrêt. Et en plus, très important cette fin de match. Voilà, l'intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. C'est dégagé, aucun problème. Cristiano Ronaldo. Ballon pour Marcus Rashford. Rashford pour le centre. Et sans trop de problèmes, la défense récupère ce ballon. Ça sort en touche. Franck Kessié. Le ballon pour Frankie de Jong. Ballon sur Frankie de Jong. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Le coup de sifflet final et donc ça se termine.